Vous avez acheté une baguette, j'espère qu'elle n'est pas trop molle, ça peut m'intéresser. Je peux même plus aller chercher le pain. Ah, tu changes. Oui. Et c'était prêt à partir à la poubelle. Ah d'accord. Donc j'ai appelé mon copain le lendemain en lui disant que t'aurais pas oublié un carton de pièces. Deux, trois culasses. Et il y avait entre autres des vraies Ce n'est pas que ça. Comme ma grand-mère, une de mes grand-mères, René. Dominique, t'es servi ? Non, pas encore. Non. Non mais Jean-Claude, je fais le tour. La photo, elle est faite par Thierry. Donc, c'est osé. Hein. Est-ce que tu prends la bonne lumière? Parce que... Non, allez, mais j'en contre-jour, mais le visage, je ne l'aurais pas autrement. Mais monsieur Faux est opérateur de cinéma. Voilà.
travailler un kilomètre. C'est ça. Et là, en fait, elle est copine évidemment. Ago aussi, ben oui. Bon, il y avait 3-4 pilotes vachement connus qui étaient là, assis dans Tourouan. Dans Tourouan, c'était les essarts pour le week-end, machin. Et on s'est retrouvés le samedi, on s'est retrouvés donc, à la table d'honneur. Table d'honneur. Alors, je simule, la table elle est là. En bout de table, il y avait ma femme, blonde. Mais à l'époque, il n'y avait pas de cancer. Le cancer de la parotide. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Bon, bref. Et en face de moi, il y avait Hubert Igal. À côté de moi, il y avait l'impresario de Agostini, Giacomo. Giacomo Agostini. Et il venait là, pourquoi ? Pour faire dédicacer et vendre les livres. Il les vendait pour que... Bon, mais bon, pourquoi pas ? Non, mais pourquoi pas ? Moi, je suis pas pour, je fais de la moto, pas pour le fric, c'est par plaisir. Quand je bois un coup, c'est pas par plaisir. Et... Je fous de ma gueule. Donc, il y avait l'impresario, et juste après, ben, il y avait Ago. Et au bout d'un moment, il y a ma femme qui dit à Rigal, tiens Hubert, on peut te mettre derrière Georges, je vais faire une photo. Donc qu'est-ce que je fais? Je me lève, je me mets derrière l'impresario qui était assis, Ago qui était assis, et je mets ma main sur le dosseret, je dis bien sur le dosseret de la chaise d'Ago. Ma femme Hubert, il se met à côté, de l'autre côté, et clic, c'est fait. Qu'est-ce qu'il me fait quand j'ai mis la main là? Et là, je suis sérieux, il serait là, je vais vous raconter ici. Il fait comme ça. J'ai eu le malheur de toucher sa selle. Et bien, il a beau être très bon pilote, c'est un sale con. Il connaissait, de toute façon, il me connaissait. J'étais sur la même affiche, de tout ça, il me connaissait. De toute façon, il me connaissait. Le nom de. C'est pas un con, ça. C'est la femme. Elle démarre au doigt, on la monte sans permis, que les bougies s'y adaptent. On se... Démontez assez rapidement dans le papier. Ah oui, à courir. Oui, mais on voyait avant. Oui, de la vie. Ah oui, j'ai rien. Ah ben moi non plus, je vais être beaucoup. Une journée après une absence de 5 ans. Et oui, le temps passe vite, trop vite. On voudrait remercier mes amis, Marc, Thierry, Jacques, qui ont retroussé les manches pour aujourd'hui. Bravo. Merci à Jean de nous avoir apporté deux petites motos espagnoles en adéquation avec le thème. Je ferai aussi un petit clin d'œil à notre ami doyen, Jean-Claude Costeux, 90 ans passés. Après la paella, il fera vous creuser la tête sur un petit quiz espagnol. Et Yannick, le magicien mentaliste, sera également présent. Vous pouvez le voir dans vos rangs actuellement. Depuis 5 ans, il a beaucoup de nouveautés à vous présenter. Voilà, l'Espagne c'est bien, mais la France c'est pas mal non plus. Vous aurez le droit à un dessert dans l'actualité. Ah, bravo quand même. Peut-être à certains ont une idée. Bon,
avec du Grand Barnier. Et voilà. Et en salle, je vous pourrais voir, il y a un diaporama avec des images de notre ami regretté, ami Maurice Hollemar, qui est décédé juste après la dernière visite. Et on aura une petite pensée aussi pour notre ami Jackie Germain. Bonne journée à tous. Merci. Merci Jean-Claude. Ma copine dit ouais, par contre. Oh, vous étiez en train de parler d'argent, je te dérange. D'argent maintenant. Le sexe. Mais du coup, ma copine a dit au mec, elle dit ouais, oui. Ah, mais les bas. Certes, mais pour un mariage, c'est un peu limite. Bah, il fait beau, ça peut aller, mais ça va peut-être se gâter. C'est où parce qu'en fait. Ils sont très chauds, les invités, alors. Comment je vais faire pour retrouver l'adresse? Au domaine du Marais, 13 chemin du Marais. C'est bien ce que j'ai dit. C'est pas que chez nous, donc on n'aura pas de nuit. On dort pas là-bas ce soir, c'est bien. Je connais pas du tout en fait. Vous pourrez filmer leurs réactions. Oui. En fin de numéro, vous allez voir les réactions des gens. C'est. Ils se frappent eux-mêmes. Ils se flashent. Oh, c'est horrible. Bon, vous êtes trois. Comment vous vous appelez? Pour le show, je vais m'appeler Morgane. Morgane, d'accord, moi c'est Yannick et vous. Evan. Moi, oh ben non, alors c'est pas rigolo. Evan, t'es one on the star. Voilà. Greta. Masha, c'est russe. C'est Masha. Alors, vous avez prononcé le mot de Lady Gaga. À partir de maintenant, on va faire comme si Lady Gaga n'existait plus, d'accord? Qu'elle a jamais existé. C'est super important, vous savez pourquoi? Parce que je vais vous demander de penser dans votre tête, juste penser, soit à une star internationale, mais pas Lady Gaga du coup. Vivant ou mort? Ah, c'est vous qui décidez. Ah. Quelqu'un de connu, si vous voulez, vivant ou mort, oui, c'est possible. Homme ou femme, c'est vous qui décidez. Okay. Et si vous pensez, vous pouvez penser dans le milieu de la politique, de la chanson, du théâtre, mais aussi de l'histoire, vous pouvez penser à un homme historique, une femme qui a marqué son temps. Par contre, si vous pensez à quelqu'un, un personnage historique, il faudra que cette personne soit impérativement née entre l'an 1 et maintenant. Ça fait combien de possibilités? On enlève Jules César, c'est ça? Non, pas de Jules César, pas de Cléopâtre, pas de Jésus-Christ. Mais vous pouvez penser à Lady Gaga, mais non, on l'a dit, Lady Gaga. Vous pouvez penser à quelqu'un de connu de maintenant, mort, vivant, enfin, quelqu'un que vous aimez bien ou que vous avez rencontré dans votre vie, peu importe. Vous avez quelqu'un en tête? Morgane, Masha. Vous avez quelqu'un en tête? Christine, vous m'avez dit? Greta, ah oui, c'est vrai. Vous avez quelqu'un en tête? Alors, mon but, c'est de lire dans les trois pensées. Et de retrouver les personnes à laquelle, auxquelles vous êtes en train de penser, mais on est d'accord que c'est impossible. Alors ce matin, je suis allé sur Internet. Vous connaissez Internet ou pas? Et je me suis levé. Et j'ai tapé le nom de quelqu'un de connu. Et figurez-vous, qu'en tapant le nom de cette personne connue, j'ai écrit quelque chose sur le premier Joker et quelque chose sur le deuxième Joker concernant cette personnalité. Jean-Claude, vous pouvez vous approcher. Elles sont toutes les trois en train de penser à quelqu'un de célèbre. Et moi, je ne sais pas à qui elles pensent. Nous avons Morgane, nous avons Masha et nous avons Greta. Voilà, comme ça je ne pourrais pas la reconnaître. Et nous avons Tom Selleck qui est garé juste là-bas. Oh, on n'a pas le droit de penser à Tom Selleck du coup, c'est trop tard. Bah voilà. Alors c'est un truc de dingue, parce que la personne à laquelle vous êtes en train de penser, c'est celle à laquelle j'ai pensé ce matin. Alors là, applaudissements, c'est un truc de fou. Alors pour les statistiques, il faut savoir que pour les statistiques, c'est bien, j'ai rien prouvé mais ça marche. Pour les statistiques, les femmes pensent aux femmes, vous avez effectivement pensé à une femme. Vous avez pensé à l'argent, vous avez pensé à l'argent, vous avez le droit. D'accord. C'était pour ma blague. Vous, vous avez pensé à une femme. L'argent aussi. Vous avez choisi ce bout parce que vous avez choisi à une femme, exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire à haute voix à qui vous aviez pensé et on va regarder ma prédiction? Mais souvenez-vous, hein, j'avais dit que ce n'était pas vous. En fait, c'est facile là pour moi, parce que Greta, c'est Greta Garbo. Vous avez pensé à Greta Garbo? Oui. Ah oui, mais on est d'accord que vous auriez pu changer. Non, mais Greta Garbo. D'accord. Est-ce que je pouvais le savoir? Si vous connaissez Greta Garbo. C'est mon ex-femme, je la connais très bien. Tendez les mains. Alors il faut se jeter tout. Non. Est-ce que je pouvais le savoir ou pas? Pas non. C'est impossible, il faut vraiment qu'on soit d'accord sur le fait que c'est complètement... Ouais. Moi, je pouvais pas le savoir. J'avais donc, je vous avais dit combien de jokers? Deux. Il y en a une qui suit, bravo. J'ai pas suivi. Voici le premier. Alors, on le retourne pas tout de suite. On retourne pour la fin, vous savez, pour la surprise. Hein. Okay.
On va regarder le deuxième. Il est loin, le petit gamin. Et avouez que ce serait fou ou pas, non? C'est comme avec les blagues de Georges. Ce serait fou ou pas? Ouais, ce serait fou. Greta Garbo. Ah, juste ici, pardon. Juste ici. Et il n'y en a pas d'autres. Je n'ai que des jokers. S'il y a écrit Greta et ici Garbo, vous seriez étonné ou pas? Ah bah oui, bah oui. Ce serait un truc de dingue. Non, bah, après, t'arrives pas là pour se prendre. Vous avez vos téléphones, vous pouvez prendre vos téléphones s'il vous plaît, toutes les deux. Ah bah je l'ai pas moi, il est dans la voiture. Ah bah prenez la... Avec Tom Selleck. Ah bah voilà, bah prenez votre téléphone. Parce que s'il vous plaît, vous pouvez taper Greta Garbo. Ah. Et quand on tape le nom de quelqu'un de célèbre, eh bien Internet vous donne son jour d'anniversaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quand Greta Garbo fête son anniversaire? Alors, sa date d'anniversaire, j'y suis. Alors, quand est née Greta Garbo? Alors, 18 septembre 2005. Pardon, 1905. 1905. 18 septembre. Oui. Vous pouvez retourner ce que j'ai écrit. Ah, 19-18, il y en a un de bon. Oui, oui, bah 1900, allez. Allez, 1900. Oui. Heureusement que j'ai un troisième joker. Hein, quand même. Sinon... Là, je vois pas ce que je tape. Ah, vous voyez pas? 18 septembre. Les bonnes lunettes. Ah, bah... Pour regarder quoi, tu... Elle cherche, vous aussi cherchez le nom de la personne à laquelle vous aviez pensé. Ah, et oui. Donnez-moi son... Non, donnez-moi rien du tout. J'ai son nom. J'en ai qui sont cachés ici. Cette de cœur. Je sais quand est-ce qu'il est mort. Je vous donne le troisième. Ah non, non, juste... Alors, est-ce que la personne à laquelle vous avez pensé, vous, est née un 19? Non. Est-ce qu'elle est née en septembre, du coup, comme Greta Garbo? Non. Non, vous, c'est quel mois? Juste le mois. Le mois de naissance? Décembre. Le mois de naissance? Oui, c'est décembre. Non, non, c'est août, exactement. Vous êtes en train de penser à quelqu'un qui est né en août, c'est ça? Non, cher ami. C'est quoi, alors? Ah, bah, je sais pas, vous me dire. Il est né en juillet. Par contre, il est mort en décembre. Oui, mais ça, c'est pas grave, il est né en juillet. Le combien? Si, c'est grave, il est mort. Le 19 juillet? C'est juste à côté. Ah, le combien? 18. D'accord, je pouvais pas le savoir. Greta Garbo, vous vous souvenez, c'était quel jour? Le 18 aussi. Vous vous rendez compte? Et en plus, c'est bien le 18 septembre. Greta Garbo, un 18 septembre. Et vous, vous pensez à quelqu'un qui est né un 18 aussi? Et vous, la personne à laquelle vous avez pensé? Pourquoi vous savez pas? Ça arrive, on va prendre notre temps. Allez, c'est bon, je l'ai. Alors, elle est un 18 ou un 19? Me voilà le magicien. Mesdames, méfiez-vous de ses mains. Elles sont moins baladeuses que celles de Giacomo. Les gens les plus entendus. Ça charcle déjà. Alors, vous vous rendez compte? Vous avez choisi Greta Garbo, et moi, avant même que ça commence, je savais que vous alliez choisir Greta Garbo. C'est fou ou c'est pas fou? Pensez à la personne que vous avez en tête. Est-ce que vous pouvez imaginer cette personne comme... Ah, d'accord. Vous pensez à quelqu'un de décédé. Très bien, très bien. La personne à laquelle vous pensez est décédée. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez imaginer son visage? Ah, très bien. Ah, vous êtes dans le milieu de la chanson, très bien. Dans le milieu de la musique, vous pouvez chanter une chanson de cette personne dans cette... Allumé. Non, dans votre tête. Dans votre tête. Je pense que c'était Johnny Hallyday. J'avais bon. Ah bah oui. Bon, alors, il faut... Évidemment. Vous faites quoi comme travail? Chômeuse? C'est possible. Non, mais actuellement, oui, professeur des écoles. D'accord. Ah, vous avez une passion, peut-être la peinture, non? La peinture, si j'étais douée. Oui. Ah oui. La personne à laquelle vous avez pensé, elle est dans l'art ou pas? Dans la peinture. Non. Vous êtes sûr? Ah, certainement. Ben, c'était Marie-Thémar. Ah non. Est-ce que c'est quelqu'un que je peux connaître? J'ai entendu parler de cette personne. Ah oui, 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 surtout de son enterrement. Il est resté mémorable. Ah bon, à ce point-là? À ce point-là. Parce qu'il s'est passé des trucs. Ah, il s'est passé un gros truc, il aurait jamais dû se passer. C'est Johnny? Non. Ça, c'est Macha. Ah, bon, bah écoutez, je vois pas. On est en Afrique du Sud.
c'est, je sais pas, il est noir. C'est Nelson Mandela. Ouais. Et alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Mais à son hôtel. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelqu'un qui a fait des signes pour les personnes. Et dans le garage. Et c'est quoi? Une Yamaha. Magnifique. Magnifique. Elle tourne? Hein, elle tourne. Oui. Superbe. Voilà, tenez. Vous avez Monsieur Costaud. Donc tu veux, je suis contente de demain, je suis à mon yoga. Ah. Tous, ils sont pareils. Ils ont tous le même problème. Ah ben c'est... Non, après, c'est un mec super. Enfin, non, non, mais je sais, je sais. Non, puis vraiment fanat de tout ça. Hein. Ouais. Mais bon, c'est le gros problème. Ah, oui, Nono Vecchioni et De Sèvres, avec qu'on préserve aussi des motos. Moi, je pense que c'est pas le rôle du fou, parce que là, on touche à quelque chose à la fois. C'est si on les donne. Mais attends, on les met où? On les met où? On les entretient comment? Je veux dire, une bécane qui est dans un musée, si personne n'y touche, en 5 ans, elle commence à rouiller, les chromes commencent à se piquer, et ainsi de suite. Une moto de collection, on travaille dessus tout le temps. Donc, non, mais ça, je suis d'accord. Ça, c'est le problème, c'est le problème. Je vois, au musée de Nice, il y a 3 belles motos, et ils en ont en plus dans leur réserve. Mais tout pourri, parce que personne ne les... En plus, Nice, c'est l'atmosphère marine et tout. C'est terrible. Il n'y a pas comme ça. Non mais là il y avait fait plein de neige. Un crayon là-dessus qui est extraordinaire. Ah, ouais. Les Italiens ils ont un coup de crayon qui est inimitable. Il n'y a pas toujours la fiabilité, mais alors l'esthétique, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, c'est sûr. Là tu les tombes dans vraiment dans. C'est des grands couturiers de la carrosserie. Ouais. Même ça, ça l'a là, un certain nombre d'années, mais elle reste tout à fait dans un look fonctionnel. Là, elle est bien entretenue. En fait. Oui. C'est tout neuf. Ah oui, elle est pratiquement neuve. Ouais. Pourtant, c'est un modèle qui a au moins 25 ans. Contrairement à Kopenstadt, hein, à peu près, non? Oui. Oui, il avait été riche. Donc 61 plutôt, alors. Plutôt 61. Parce que je sais qu'elle a commencé sur le tard, ça, c'est vrai. Que... Oui. Ouais. Non, mais ça, c'est. Oui, mais c'est bien. Il y avait même une course. Ah non, c'était le premier pas en tournée à l'envers, je crois. Tu te rappelles de ça? Tu l'avais pas fait, celle-là, si. C'était pour les records de tourner dans l'autre sens. Oui, mais tourner à l'envers sur le 3 km. D'accord. Ah, oui, c'était ça le premier pas. Ça rend mal loin. Ça passe vite le temps, mine de rien. Tu te retrouves maintenant, tu dois dire, c'est pas si vieux que ça. Puis ça y est, je suis un peu moins jeune maintenant. Ouais, bah oui. C'est ça. Ouais, c'est bien. Tu gardes un peu des beaux souvenirs quand même. Une époque était un peu plus tranquille, un peu plus aventureuse, plus risquée peut-être. Ouais, Et d'un autre côté, plus naturel. Mais des motos très belles. Et des motos un peu plus artisanales, mais tellement bien faites avec amour. Quoi, ça fait ça, bien pensé. Maintenant, c'est un peu trop monotype. Ils changent un peu. On se ressemble tous. Hein. C'est la couleur qui change. Hein. C'est ça qui est important. Et la meilleure, celle dans les Air Maquis, celle qui t'a laissé le meilleur souvenir, la 2,5, la 3,5 ou la 380? Ou la 408? Peut-être. Celle qui m'a... C'est le titre? Oui. La 3,5? Oui, la 3,5. La 3,5. Ouais. Mais elle était vraiment 3,5 ou elle était un peu surréalisée quand tu cours en 500 avec? Elle était passée en 380 à une époque. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est...
Ouais, mais enfin, donc, ça, elle prenait pas de poids pour autant, quoi. C'était quelques grammes en plus, c'est tout, quoi. C'est ça. Ouais. Non, mais c'était une machine fiable. C'était fiable. C'est vrai, tu cassais pas beaucoup, puis toi, t'étais quand même pas dans le genre brut, et tout, t'étais quand même assez coulé, tout ça. Ça, ouais. Ça aidait beaucoup à quand même aller au bout, ouais. Parce que beaucoup étaient un peu, des fois, un peu brut et tout. Toi, tu étais plutôt dans le conduit de souple, on l'avait vu au bol d'or quand tu as fait le bol et tout. Quand même pas, plus pas trop la mécanique comme certains, c'est sûr. Ça compte beaucoup, hein. Surtout dans l'endurance. Ouais. Ah bah, c'est bien, Jean. Bah, c'est bien qu'on évoque un peu tous ces bons souvenirs. Voilà, quelques années après. Quelques années, quelques dizaines d'années. Non, le temps passe, c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais bon, c'est comme ça, c'est irrémédiable. Tout le monde, c'est pour tout le monde. Donc, voilà. Et la roue qui tourne. Eh oui, c'est exactement ça. Ok, ok. Ah, 308. Non, non, il dit non. Il dit non, mon. Ah oui, oui. Simplement, l'avion est plus récent. C'est le bruit. Le bruit est rigolo parce qu'il s'arrête en l'air. Dans toutes les montées, il met les réacteurs d'appoint. Donc, il arrive à s'arrêter en l'air sur les réacteurs. Et quand il redescend, il coupe les réacteurs. Bon bruit d'hélice, mais après. Tout de fond. Ah, je l'ai filmé d'ailleurs. On parle de toi. Arrêtez. Non, mais c'est. Vous voyez moi. Ma fille travaille dans un hôpital. J'ai raté mon virage, putain. Ma fille travaille dans un hôpital. Elle m'a dit surtout, tu ne la contraries pas. Et tu lui dis non. Ok, chérie. Allez. Donc, t'as pour les vaches, ton équipe qui arrive. Oui. Elle aime les animaux, l'être humain, c'est pas assez fort. C'est vrai que c'est. Je suis comme lui, enfin comme elle, je suis pour la paix des races. Oui. Ah oui, pourquoi faire la guerre pour la paix, oui. Oh, le temps change, c'est dommage. Oui, c'est normal. Ouais. Donc je suis une émule, tout ça, je me dis. Corinne, accroche-toi, ça va durer. Je voulais faire comme Jean. Elle sait rien. Chacun son truc. Georges Monneret, le père. Il y a Philippe Monneret. Puis il a eu deux fils qui se sont tués. Oui. Je sais plus les noms, peu importe. Tu casses l'ambiance, hein, continue. C'est normal, c'est la mémoire. De quoi on parle ? Oui, la mémoire. Georges Monneret était marié avec une Dominique Monneret, la mère de Philippe. Et la belle-sœur s'appelait Laura Monneret. Et je suis sérieux, c'est elle qui m'a appris à faire l'amour. Parce que bon, j'étais. Ils avaient à l'époque, là, je suis sérieux, Georges Monod avait créé une école de. Enfin, une école. C'est une école de pilotage. Ils faisaient l'opération Jeunes Tigres et Sceaux, c'est les Sceaux qui finançaient. On était les Jeunes Tigres et Sceaux. Parce qu'à l'époque, Sceaux, il y avait un tigre sur le. Mettez un tigre dans votre moteur. En fait, on louait un 50 cm cube mondial pour rien, mais c'était que dalle. Seulement. Qui c'est qui était là pour vérifier la licence de motard et puis payer une connerie, rien que dalle. C'était Dominique Monneret. Et puis un jour, elle m'a fait connaître sa belle-sœur. Oh, puis elle était belle. La charité, messieurs dames, la charité. Ah putain, ça va casser les trucs. Rien du tout. Et donc la belle-sœur. Donc elle m'a présenté Laura Monneret. Je trouvais très belle.
Bon, pas comme toi, vraiment. Elle était belle. Il faut dire la vérité. Hein. Pas toujours. Et en fait, le mot de la fin, c'est quoi? J'avais quoi? Le mot de la fin. Ben, 21 ans, parce que j'ai commencé à 21 ans. Mon père m'avait dit, tu feras des courses de moto quand tu seras majeur. Et à l'époque, la majorité, c'était 21 ans. Oh, elle était belle, la Laura. Elle était belle, hein? La moto ou la femme? Laura, non, c'était la version de Laura. Du coup, bah, c'est elle qui m'a appris à faire l'amour. Tu vas trop vite! Attends! Et voilà. La chute. La chute. C'est elle qui m'a appris à mes yeux. Quand t'es jeune, tu es tribord. Merci Georges, c'est un moment inoubliable. Il faut rigoler, c'est vrai. L'amour maintenant ou tout de suite? Oh, va choisir. Surtout avec 13. Toi, tu t'en fous, tu baisses plus toi. 13, tu fais semblant. Tu dis quoi? Il est chiant Gérard. Sacré Gérard. Ah oui, t'as raison. T'as vu la voiture qu'ils m'ont offert? C'est un smartphone, c'est ça? T'as vu la voiture qu'ils m'ont offert? Non, ça c'est ma fille qui m'a offert, mais je me fais entretenir par mes enfants, je sais y faire. Tu m'as dit quoi? Pas encore ta Samsung? Il faut être honnête. Ça suffit. Chérie d'amour, chérie d'amour. Mais dis-nous, regarde. Apple, c'est mieux. Donc du coup, je suis Non, non, voilà un smartphone. Je fais les photos. Voilà un smartphone moderne. Non, mais ça suffit. C'est bien parce que quand on voit des... J'en vois qui double dans la ligne droite, hein. Le passage. C'est presque bon. Regardez dans 3 minutes. Est-ce qu'on met des gens en face de nous là ou pas? Prenez quand même quelqu'un qui se met face au normal. Ah ouais, vous allez vous-même jeter. C'est bon? Ça me correspond bien. Voilà. Et Morgane, vous allez la signer sur la face et vous la montrer. Alors, soit vous faites une signature, soit vous faites un dessin, soit vous écrivez les 4 chiffres secrets de votre carte bleue. Il ne faut pas regarder. Il est mignon. On va l'aimer. Ah, les gens le font. C'est un jeu complet, normal. C'est bon, je peux revenir? Toutes les cartes sont différentes, sauf une que Morgane vient de signer, mesdames et messieurs. Morgane, oui. Je vais faire comme ceci. Et dès que vous le souhaiterez, vous me direz stop en anglais et je m'arrêterai. Stop. Oh, parfaitement bilingue, on peut l'applaudir. Et vous la reposez, Morgane, à l'endroit où vous avez dit stop. Et le numéro va commencer. Oula. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Tout le monde est prêt? Yes. Okay. Mesdames et messieurs, je vais vous faire le tour qui m'a rendu célèbre. Je vais vous faire le tour qui m'a rendu célèbre à Las Vegas. À La Ciotat. La maison de retraite de La Ciotat. À la fin, les gens, ils se lèvent, ils font Nick. Ceux qui peuvent, ceux qui peuvent. Ok, on y va, est-ce que vous êtes prêts? On est prêts? À 3, la carte signée de Morgane va voyager dans la boîte, fermée par un élastique. C'est pas possible! Calmez-vous, monsieur. Je suis ventriloque. 1, 2, 3. Applaudissements de la foule en délire. Bravo! Bravo! Ça vous a plu ou pas? Oui, on n'a pas vu la carte encore. Ah non, mais merci, personne ne m'a jamais demandé ça à la maison de retraite. Bon, exceptionnellement, on va vérifier. Morgane, rappelez-moi votre prénom. Morgane. Très bien. Prenez cette boîte vous-même, Morgane. Vous allez vous-même arracher l'élastique avec les dents, violemment. Pardon? Les doigts, tout doucement. Ah oui, pas les dents. Non, non, non. J'aurais pas fait. Non, vous avez compris les doigts. Mais je n'aurais pas fait. Vous posez la boîte. Ah, la caméra numéro 8 peut approcher, s'il vous plaît. La caméra numéro 8 va s'approcher pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Non, non, il n'y a pas toujours rien, mesdames et messieurs. Ah, attendez. Mesdames et messieurs, en direct sur M6, il n'y a qu'une seule carte signée de la main. Ouais!
Bravo. Et là, non, Patrice, j'ai ici un jeu de cartes bleu, rouge, 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 rouge. Attention, là, ce que vous allez voir, c'est un numéro exceptionnel. Agnès, à l'intérieur, les cartes sont rouges. Merci à toi. Moi, je pense qu'il y a un problème de télépathie. Le départ du traiteur. Et il y a une autre voiture derrière, je crois que c'est le Peugeot 308. Ça roule pas très vite, et puis bon, justement, Zoé, je l'ai mis aussi en 50-60, justement, équilibrer un peu. Bah moi, ça me dérangerait pas d'être dans votre série, comme ça, je pourrais manquer chez nous. Ça, on ne pourra pas le faire, ça, c'est pas un problème. C'est plus facile dans ce cas-là. C'est qui, quoi, ce qu'on roule avec la CB? Je roule avec la décheveur. Non, tu dis que ça, c'est quelque chose. Oui. Peut-être. On a déjà marqué au ça là-bas. C'est ça qui m'a dit. Ah, mais est-ce qu'il est filmé en tout ? Oui, peut-être. Moi, je pense que j'y reste. Ah non, c'est pas la santé, ça, c'est...
Il y a un casque en partie. Toinette, Christian, Gérald et Erwan. Numéro 2, Jacques Raspou, enfin Jacques Marchand, Joël Riverain et Agnès. Numéro 3, Vecchioni, Soudi, Ruiz, Rossellini, et là il y a du nom en rallonge, Holmart, Cathy et David. Numéro 4, Dominique Perruchon, Jean Caillou, Valérie Perruchon et Vincent Poret. Numéro 5, Eric Saul, Dobassen, Logassen et Robert Cassen. Numéro 6, Jean-Marc, Alain et Illisible. Ta femme n'entend rien là-bas, elle s'énerve si tu veux pas qu'elle fasse le rejet. Ouais, mais moi je peux pas payer. Alors, elle s'énerve. Et numéro 7, Snoopy. Snoopy, ça pas été facile à faire. Faut lui donner le modèle, des photos. Et par exemple, vraiment, les carrés, lui, après, pour les formes et tout, il dit, il a quand même compliqué. Oui, il y en a deux. Thank you.
Bien. Et on était en train de faire la touche, au bord de la touche. Quand tu touches ton dos, t'as plein de crachats. Hein, et on a perdu 6-0. Ils nous applaudissent. Et en Corse. Et en Corse. Et la Martinique, c'est pareil. J'ai un garçon qui habite en Martinique. Hein. Attention, hein. Les flics, ils mangent pas. Hein. Les mecs, ils ont la machette dans le coffre. Hein. Hein, bah, t'as bien Nouvelle-Calédonie. Hein. Mais je regrette à un moment. Ariane, moi, je suis à la retraite. 1er janvier, revalorisation de la retraite. T'as vu ? Bon, l'os. 1er juillet. Je bouge pas. Ah oui. Ah. Ah, je serai. J'ai plus l'habitude. Ça va prendre en photo déjà là-bas. Si, je les ai prises à l'arrêt, mais je les prenais avec toi. Ouais. Voilà. On prendra la montée ça. Ouais. Alors, fais gaffe. Regarde bien. Je pense comme ça. Ouais. Et là, je repasse là. Avec l'autre main, tu tiens ici. Je suis là. Oui. Et là maintenant, si je tape trois fois de suite, je s'enlève. Alors tu sais qu'il est aussi magicien que mon pilote. Hein. Parce que je l'ai vu l'année dernière au VMA à l'Est, dans la courbe là. Il a enrhumé tout le monde. T'as oublié. Les mecs, ils se regardaient, ils disaient, putain, c'est Roger, là, comment il emmène la misère. Et ils coupaient pas. Hein. Et... Bon, après, quand t'as jamais arrêté, mais quand même. Là, respect, monsieur, respect. Pour le niveau de pilotage, à ton âge. J'étais Bah oui, un jeune, hein, il a 57 ans. Hein. Ah, lui, c'est vous. Ah, ouais. Bah ouais, c'est notre doyen. 57 ans de course. Oui, oui. Ouais, ouais. Ah oui. Même un peu plus. Oh, ouais, ouais. Il fait des grâces. À 78 ans, j'ai commencé à 20 ans. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je me rappelle, j'allais au bol d'or, 24 ans, j'étais gamin. J'étais jeune, hein, on allait voir les courses d'endurance. Bah, j'étais jeune aussi. Oui, 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 oui. Non, mais bah, comme Bernard, hein, mais on a la Clermont-Ferrand. Voilà. Ah, Braun, il a loupé une vitesse, Et il y en a des tonnes à raconter. Alors nous, on était derrière la barrière, on regardait les mecs. On s'est dit, on irait bien un jour, et puis un jour, on a réalisé notre rêve. Mais bon, après un grand national, bon, ça se passe bien. On a bien rigolé. Et on est encore là aujourd'hui pour se rappeler. C'est important. Ouais, ouais. Oui, exactement. Ah ouais. Bon, bah, moi, je vais. Tu sais pas que c'est marrant, mais attends. Il y a quelque chose qui est marqué là. Hein c'est parce que tu l'avais pas avant, non? Ah ben bien sûr, j'avais toujours. Ouais, mais je me dis que c'est tu l'as fait pas. Je suis pas con. J'ai hâte de collection moto. Je suis pas con, quand même. Ouais.
samedi, mon grand. Samedi, mais même pas samedi soir. C'est moi. Pour un tour. Bah oui. Il faut que après. Ah non. Oui, mais si Montlhéry, c'est quand même 5000. Quand t'es gamin, t'entends parler de Montlhéry. En Bretagne. Ah, vous allez je vais faire du sidecar en Bretagne. Ah, bah alors. Et puis, la semaine d'après, je suis à. T'en fais même pas un dixième maintenant. T'es occupé, quoi. Non, la côte le départ et l'arrivée, c'était quand même. Parce que l'arrivée, c'était, il y avait une courbe après, donc si tu passais à fond, il fallait encore piloter, tu pouvais te mourir après l'arrivée. Hein. Donc si c'était, vers le fait, c'était une courbe. Et Montlhéry, la fille, lui avait dit... Elle est toujours là, la moto. Si Paul lui avait dit, bon, si ça ne fait pas le montrer, il m'a montré un peu les. Et Robert Roseur, je le vois, il est encore là. C'est vrai. Le frère. Elle est tordue. Et il y a le fils et de le père. Le père, il est décédé. Le père est décédé depuis toujours. Et Daniel est décédé il y a 5-6 ans. Ah bon, le pilote. Le frère d'or. Le frère d'or. Jaune. Il y a longtemps, il était jeune. Daniel, Je sais pas combien il a fait. C'est de la finition. Mais par contre, 4 ans, parce que je me dis, il est un peu plus vieux que toi. Ça fait. Parce que papa, moi, je suis pas chanteur. Je fais que de l'anglophone.
Bah oui, parce que si tu ressors comme chez nous, tu vas avec ça dur, on fait des. Credence Revival, tu connais ça? Et là, les gamins, oui, les gamins, tu connais ça? Oh, ça va le fort. Ouais, mais si je t'en sors plein de chanteurs, tu vas voir si je te dis tous les chanteurs qui certains, ils ont fait. Il y a beaucoup de gens qui le savent. Tu mets ça sur ton groupe. On va chanter autre chose alors. On va faire. Francia, on va dire là-bas. Non, mais il y a eu des polémiques sur ce morceau. Après. C'est sûr que c'est des Suisses, alors. On va faire un petit Hendrix. Je vais faire un petit. Ré... Ça, tu connais ça? Ta jeunesse, ça? Les paroles ils sont mortelles, mais je les connais pas. Tu les as pas, les paroles? Baby song. Mais du coup, j'ai pas filmé après. Non, mais c'est bon, ça suffit. Bah, Dominique, il va être vrai, oui, c'est qui va nous a fait avec quelque chose de ça. Thank you.
Oh baby baby, it's a wild world. It's hard to be back, get the blues back. Oh baby baby, it's a wild world. Oh, I remember you like a child. C'est bien de dire. De dire au revoir à Christian. De dire bonjour à. Bravo. Oh, c'est gentil. Je suis bassiste, moi, Christian, normalement. Je suis bassiste. C'est quoi le bassiste? C'est celui qui joue à quatre cordes. On dit que c'est le feignant. Oui, oui, oui. Pas tout vrai. Ah, il est obligé de passer si tu... Bon, ben, on est fermé, on est qui on est fermé, justement. On a fait le repas domicile, on a tout fait. Attends, arrête. Non. 1er janvier 2010. Vive la musique. Vive la musique. Ouais, merci. Ouais. Et si vous ne faites rien le 29, si vous avez info par Jean-Claude Jacques, si vous, eh ben vous êtes les bienvenus. Nous fêtons les 40 ans au New Morning à Paris. Ah, bah, un bel endroit. Ouais. Un bel endroit. Le New Morning, c'est un très bel endroit. Ah, bah oui, tu m'étonnes. En plus, c'est une salle mythique. Oui. Rentrez bien tous alors. Merci pour votre temps. Faut qu'on fasse un truc Christine. Au revoir, au plaisir. Oui, j'ai bien assisté Christophe Corona. Ouais, du coup, on parle. Tu les mets sur Facebook, les photos que je vois. Ce sera un film. Bye bye.